L'inconvénient de les passer à la javel ou au micro-ondes, outre le fait qu'après, bon, c'est poisseux, c'est dégueu, on s'en fout partout, c'est qu'aujourd'hui, on peut arriver à récupérer de l'ADN, entre autres dans les mandibules. Ah. Et donc, ça peut être intéressant. Si vous voulez passer à la javel ou au micro-ondes, donc vous n'aurez jamais de détermination correcte. C'est pas évident. Hein. Il y a une zone sans dents. Je vais dépiauter un peu plus. Vous voyez, alors, on y va carrément avec les doigts. Hein. Il y a pas de. Ah oui, de on y soucis. Va avec. Ouais, vous pouvez. Alors, est-ce que c'est un rongeur ou une musaraigne, ça? Alors, vous voyez, vous pouvez y aller franchement. Alors, faites attention, vous voyez, quand vous dépiotez, si vous sentez sous les doigts que c'est dur, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, par exemple, j'ai clairement. Voilà, vous voyez. Alors, après, ça vaudra le coup d'aller la nettoyer un peu au pinceau et. Éventuellement, on va prendre un peu d'eau, on mettra, et puis à ce moment-là, pour nettoyer, comme je vous disais, le dessus des dents, pour bien les voir, mais ne mouillez pas avoir ça au palco. Hein. Voilà, donc ça, on le met de côté. Alors, cette mandibule, manifestement, je l'ai trouvée là, elle va avec ce crâne. Donc là, vous avez vu, le premier critère, c'est facile, c'est est-ce que j'ai une dentition complète ou est-ce que j'ai un trou, un espace sans dents entre les incisives devant et les molaires derrière. C'est déjà le premier tri à faire. Ok. Et puis après, on verra dans le détail, donc la couleur des dents pour les musaraignes, rouge et blanche, et puis les rongeurs, donc ça va être à la forme. Hein, je vous disais, soit vous avez des dents comme les nôtres, en forme de tubercule, voilà, soit vous avez une râpe plate avec des triangles. Ok ?
ou est-ce qu'il y a un espace, est-ce qu'ils sont ouverts. Tu vois, ça communique, si j'ose dire, entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3, ça, les mailles ne se touchent, les deux parties des mailles ne se touchent pas. Et là, elles sont complètement séparées. Attends, là, tu peux pas voir parce qu'il faut, elle est tombée, ta mandibule, il faut la remettre droite. Donc là, je pense qu'on a tout du compagnon. Là, j'ai un doute, il faudra vérifier à la vidéo. Ça, ça me semble un peu. Je pense qu'on est parti pour le vidéo. Ça, oui, on le voit déjà. Ces formes-là, striées comme ça, c'est des campagnols. Donc, campagnols. Par contre, ça et ça, il va falloir regarder. Je pense qu'on a du niveau. Et alors là, 25, tu dois faire quoi?